Bonjour, c'est Grifax. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On est en Xelogieni. On joue contre Enu Sacri Kra. Et on a une cote de 4426. Alors c'est parti. J'ai un peu peur de la compo en face. En général, quand je vois des Enus, c'est que c'est des trucs un peu chimiques où je perds un perso avant d'avoir joué. On va espérer que ça aille à peu près. Bon, on est sur une grande map aussi contre un Kra. Ça va être un peu technique, mais le Sacri, il peut jouer qu'en mêlée. Donc normalement, je devrais quand même pouvoir m'en sortir à peu près. On va voir. Je sais pas trop à quoi m'attendre pour être honnête. On va vite être fixé. Ok, j'ai l'ini. Je joue juste après le sacri, c'est plutôt cool. Est-ce que j'ai la portée de mettre quelque chose de style sablier? Non. Alors bon, on va essayer de faire vite fait le premier tour. Hop, hop. On va mettre le contre, le flou. La prémo, je vais la mettre ici. Hop, et c'est parti. Donc on a en face argenté, ébène, crocobure, pestilence sur le sacri, hein, évidemment. Burado sur les nus. Donc là, je pense que pour le coup, c'est pas du 2 pouces, ça doit être de la J. Bon, évidemment, le crack qui joue percutante, hein, il va se régaler, ça on s'en doute. Full retrait PA. Alors, déjà, je prends la sauce, mais ok, tranquille. Ça va être un peu technique. On va faire un molosse. On va y aller comme ça, hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis pas en pesanteur. J'ai plus de PA, mais bon, ça, c'est un autre problème, si vous voulez. J'ai pas trop d'autres choix que de me packer en zone pour le T1. On verra après si j'essaierai de faire attention à mon placement. Bon, l'ennemi qui va pouvoir se balader un peu comme il veut. Bon, c'est un ennemi R1 qui va me défoncer à distance. BZH, je crois que j'avais déjà joué contre lui, certainement. Ouais, je l'ai déjà affronté, je crois. Donc là, il se régale sur la ligne de vue, évidemment. Petits dégâts, tranquille. Bon, la question, ça va être le sacri, comment on le gère. C'est évidemment full item légendaire, hein, Crocobure Pestilentiel. Ce serait peut-être intéressant, je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'il fasse une limite de un seul item légendaire par stuff. Qu'on puisse pas en avoir plusieurs. Ça, ce serait peut-être une chose à faire. À méditer, évidemment. Hop, on va y aller tranquillement sur un petit mot de régène sur le Xel. On va essayer de faire attention aux zones. Je vais venir me mettre là. Enfin, c'est chiant parce que d'un côté je dois faire attention aux zones. De l'autre, bah, il faut que je rush en fait. Sinon il va juste se balader sur le placement, il va faire ce qu'il veut. Ça va être assez relou. On va voir comment on s'en sort avec le Xel, mais là évidemment j'ai pas de boost PM, j'ai pas grand chose. J'aurais pu faire un boost PM avec l'Ougi, peut-être lui prendre la rage 2. Ça c'est un peu discutable. Ouais, je pense que j'ai un peu fait de la merde. J'aurais mieux fait de me faire un aboiement pistage. La question c'est est-ce que le Sacri se fout en pesanteur? S'il se fout pas en pesanteur et qu'il s'approche, c'est ok, je peux le rush et je le hard focus. Mais j'ai un doute là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Non, a priori pas de pesanteur. Ok, donc ça c'est une très bonne chose. Je vais pouvoir caler. On est d'accord que j'ai une bonne portée là. En vrai, je vais faire une synchro. Je vais la faire là, ma synchro. Ok, là je suis bien, on va faire ça comme ça. On va faire le paradoxe. Je vais juste lâcher ça sur le Kra. Le rollback. Ok, je pense qu'on est pas trop mal. J'ai quand même mis un petit sablier de Xel sur le Kra pour lui casser tout ce qui est Vulbis et compagnie. Je sais pas exactement ce qu'il a comme Dofus, est-ce qu'on peut voir. Ébène, pourpre. Bah, il y avait un Vulbis donc j'ai bien fait. Bon là évidemment il se régale sur les dégâts, j'aurais peut-être mieux fait me planquer un peu avec le Xel, je pense que ça c'était du misplay. Percutante sur le Xel, ok, il faudra pas que j'oublie. Miraculeusement, j'ai quand même pas mal de PA avec l'Ougi. Faudra m'expliquer comment c'est possible, mais tranquille. Est-ce que je me fais un apaisement? En vrai, je pense que oui. Je vais me faire apaisement. Gangrène, charogne et limier. Je pense que ce sera bien comme ça. Je vais essayer de me planquer. C'était un misplay le placement du Xel. J'ai plutôt bien joué, à part ma position de Xel. J'aurais dû le mettre genre par là, un truc dans le style.
Là, je lui ai donné vraiment une free zone au crâne, c'était un peu mal joué. Le reste de mon combat pour l'instant, ça va à peu près. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire, l'énu? Je crois qu'il peut me tabasser en zone, peut-être qu'il va péter mon cadran. Ok, pour l'instant, ça tape, du radeau. Ouais, il y a des sacrés dégâts quand même. Hein. J'ai quoi, j'ai 37%. Ça fait mal quand même, hein. C'est fou. Bon, on va essayer de survivre comme on peut. Moi, je suis en ébène 4. Je me suis bien fait tabasser. Souvent, je fais l'erreur de vouloir me dire, bon, tranquille, ça passe. Là, je vais vraiment en faire le mec ultra safe. On va se régénérer autant que possible. Je vais mettre sélectif, encore un sélectif, je lui mets mon ébène. Je pourrais me faire un mot de solidarité, bon ça pour le coup je vais pas le faire, mais voilà, je serais bien tenté quand même de me planquer à fond. Et là je vais me barrer en vrai. Je vais mettre des PM à mon Ouji et je vais me barrer. J'aurais pu le mettre au Xel, tiens, ça aurait pu être intéressant aussi. Parce que là, voilà, souvent je me dis allez je tape, tant pis ça passera. Mais en fait, souvent c'est du gros misplay, donc là je me suis mis safe, j'ai lâché la préve assez vite. Mais bon, Xel et Ouji sont plutôt tranquilles, j'ai plus beaucoup de PA sur le Xel, mais tranquille. Ça devrait passer. Est-ce que le Sacri se barre? Il peut encore mettre un état pesanteur. Faut pas que j'oublie que j'ai une percutante sur le Xel, hein. Peut-être deux même. Non, je crois que j'en ai qu'une. Alors est-ce que je peux lui faire des dégâts à lui? J'ai un doute là-dessus pour être très honnête. On va essayer de voir ça assez vite. Bon, évidemment, lui me défonce en zone avec ses trucs bizarres là. Mais pour l'instant, on survit. Alors, le Xelor. On va déjà lâcher le petit retrait PA sur le Kra. Je pourrais même en mettre un sur l'Enu. On va faire ça. On va faire. Je me fais tacler de ouf. On va faire ça. Hop là, je fais toujours attention aux zones. Le J est relativement safe, alors le cadran qui crève, ça c'est très chiant. Ça écrit 3000 PV max. C'est ça aussi qui est très très fort hein, sur les mods avec les items bizarres là, c'est que. J'ai presque. En vrai, je crois que je vais me transformer. Je crois que je vais me transformer. Il faut que je tape. Oh, en même temps, si je me transforme, c'est chiant. Parce qu'après, il peut facilement se barrer. Je vais pas me transformer, je pense que ce serait du grid. On va faire tac tac tac. On va se mettre là. Ok. Donc là j'aurais pu prendre un stack ébène en plus, mais ça ne m'aurait pas amené grand-chose parce que de toute façon je le placerai au prochain tour. J'ai préféré full tabasser, il était toujours érodé. J'ai préféré pas me transformer parce que j'ai pas envie que j'ai un tour ou deux tours avec du Jignac où je puisse rien faire parce que je suis transformé et qu'il m'a fait un sort que. Une dérobade ou je sais pas quel truc chimique que les sacris peuvent faire aujourd'hui, mais bon, vous voyez, on a voulu y aller safe. Alors la question c'est qu'est-ce que l'Enutrophe peut faire? Sac animé. Bon, 600 PV sur le sac animé, ça devrait aller. Du soin, mais du soin plutôt mignon. Un coffre régénérant. Ok, là il est en train de le blinder avec ses invoques. On va voir s'il me donne des zones. Pour l'instant, j'ai une belle zone de sélectif. Sac animé qui se barre un peu, ouais. En vrai. Appel animé ici. Je peux soigner les sélectifs comme ça. Sac animé a déjà plus de vie, je sais pas pourquoi. Alors là, j'ai pas bien saisi, j'avouerai. On va faire ça. Tac. Bon, je le tue pas dans tous les cas, mais je vais pouvoir lui mettre un peu de dégâts. J'aurais presque envie de lâcher mon meilleur mode silence. On va y aller assez safe. Ok, je me cale ici. Sacri. En vrai, bah, je crois que si j'avais full tapé le sacri, je le tombais peut-être. Je sais pas, il a combien d'ébène? Ah bah oui, ça passe. Bah ça c'est ces items débiles aussi qui lui mettent des dégâts hein, si vous voulez au bout d'un moment. Faut arrêter de jouer avec n'importe quoi. Bon. Mais écoutez, ça se passe plutôt bien. Il faut pas que je mette une heure à me décider là. Je sais ce que je vais faire.
Je vais remettre un cadran. On va faire un truc chimique, tiens, on va faire tac tac. On va faire un petit paradoxe. Hop, on met un téléfrag ici. On va venir faire ça comme ça. Hop. Et en vrai, on va encore taper. Bon, j'aurais pu remettre les PA sur les nids. J'aurais pu m'arranger pour leur mettre dedans. Mais bon, tranquille, j'ai la momie au prochain tour. J'y vais plutôt zen. Ah, j'aurais pu faire le rollback qui reste au fond, les nus. Mais bon, de toute façon, mon ugir, je reste après. J'ai été plutôt précautionné sur les zones. Hein. Je fais attention à pas me faire tabasser en zone là à chaque fois. Bon, le crabe met du retrait, mais à part mon T1 et mon T2 aussi, où j'ai fait un petit problème de placement, globalement, je m'en suis bien sorti pour éviter les zones du crabe. Donc ça, c'est plutôt bien. Là encore, je prends des bons gros dégâts, mais ça passe. Je vais pouvoir lâcher mon meilleur ébène sur les nus. Ouais, j'aurais pu le ramener à la place de la kawotte, hein. Ça aurait été un peu mieux. Je reconnais le misplay. En vrai, là, je crois que je vais full tabasser. Ouais, je vais faire ça. Je me transforme. Hop, je lui mets des dégâts assez colossaux. Je vais me mettre ici. Bon, il peut retraite anticipée. Mais... S'il fait ça, je peux me rapprocher avec Lenny. Je peux avoir accès à pas mal de zones. Pas dans l'air encore, ouais. Si retraite anticipée, je fais un tour full soin sur le Xel, soit un boost et je leur mets full PV. Voilà, ça c'était prévisible. Mais je me suis placé de façon à ce que je puisse quand même avoir des tours non inexistants. Donc là, typiquement, je peux remettre un stimu sur le Xel. Bon, je peux le full déroutant. Hein. Hop, hop. Mode régène. Mode ralliement, c'est combien? 2 PA, je vais faire ça. Ralliement, régène. Hop, voilà, je me set up pour la suite tranquillement. Je savais qu'il allait retraite dans tous les cas. C'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, let's go. Avec mon Xeller, bah là, du coup, je suis un peu embêté. GG Momif. Oh putain, il me manque de la PO. J'ai la ligne de vue, mais j'ai pas la PO. Ça, c'est un peu dommage. On va faire des rouages. Ça me fera des PA à tour d'après. Ça dégage. Je suis en ébène 3. En vrai, je peux lâcher ma meilleure prémo. Je vais mettre ici. J'ai presque envie de faire un rouage sur le lapin, mais je le tue, donc je vais m'abstenir. On va faire ça. Bon, je finis avec deux... Ah, j'aurais pu flou. Ah, puis de toute façon, je tuais le lapin avec la percutante. Ouais, pas très concentré. J'aurais pu flou, j'aurais pu me faire un rouage pour prendre un ébène cac. Bon, dans tout le cas... Ah, on a eu une traîtrise. Il a littéralement abandonné son pote, ça, c'est pas très gentil. Bon, bah écoutez, ce sont les choses qui arrivent. Trahison. En vrai, je peux soit tabasser, soit le ramener. On va y aller comme ça. J'aurais pu, avec des pistages, le ramener plus proche, mais bon, tranquille. On va mettre un petit GG. Là, c'est Aleni, du coup, qui a apparemment beaucoup de PM. On va y aller comme ça. Tiens, j'aurais pu mettre les PM Auxel, j'ai un peu été con. Hop! Je crois que je dois avoir encore un truc qui a un peu de portée. Ouais, ça touche. Là, je lui mets 97, 111. Allez, on va y aller comme ça. Hop. Bon, il n'y a pas de GG en face, mais ils n'ont pas fait durer, donc tranquille. On leur en veut pas. Et voilà, les amis. Premier petit colis de la journée, ça fait plaisir. On passe à 4436 de cote. C'est cool. Écoutez, bon, petit combat tranquille. Voilà, j'ai essayé de faire à peu près attention à mon placement par rapport au CRA. Il y a juste un tour au Xelor où je me suis mal placé. Le reste, c'était correct. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.